Please stand clear of the board. All aboard! Dans une petite ambiance jazzée aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au Walt Disney World Resort en Floride. Bien que je suis dans un hôtel, je vais pas vous faire le tour d'un hôtel aujourd'hui parce que ben, je me retrouve tout d'abord au Port Orleans Riverside. Je vous en ai déjà fait un vidéo par le passé, que ce soit Port Orleans Riverside, Port Orleans French Quarter. Si vous voulez découvrir ces hôtels-là, je vous invite à aller faire une petite recherche sur ma chaîne YouTube MaximeWDW, puis vous allez pouvoir les retrouver. Donc aujourd'hui, je vais me rendre du côté de Disney Springs, donc ce district de divertissement qui comprend également plusieurs boutiques puis de merveilleux restaurants. Ça aussi, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais bref, je me rends à Disney Springs, puis la façon la plus épique de se rendre là, c'est assurément par le bateau. Puis au Walt Disney World, on retrouve quelques hôtels qui vont offrir une navette en bateau jusqu'à Disney Springs. On peut penser juste ici au Port Orleans Riverside, on a le Port Orleans French Quarter, le Saratoga Springs et également le Old Key West. Il y a quelques mois, je vous avais fait des vidéos concernant les transports en monorail ou en Skyliner au Walt Disney World. Bien aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur les transports en bateau vers Disney Springs. C'est sûr, je vais vous montrer précisément ce qu'il y en a du côté du Port Orleans Riverside, mais peu importe l'hôtel, ça va être similaire. Donc, le quai d'embarquement, le quai pour le bateau vers Disney Springs va se retrouver proche du bâtiment principal, peu importe quel hôtel vous séjournez qui offre ce service. Donc, juste ici, au Port Orleans, on va avoir l'entrée pour se rendre, sur la rivière Sasagula. Vous avez peut-être remarqué sur le panneau, mais il y a l'heure d'ouverture des bateaux. Généralement, la période est un peu plus courte que les heures d'ouverture de Disney Springs. Lorsque le bateau n'est pas offert, ou si vous voulez juste ne pas y aller en bateau pour peu importe la raison, bien, il y a également des autobus qui sont proposés pour vous au débarcadère d'autobus de votre hôtel. C'est un départ, on se dirige vers Disney Springs. Ce qui est plaisant, c'est qu'on a l'occasion de voir du paysage parce que bon, on est parti, on a vu la section des manoirs du Port Orleans Riverside, puis là on arrive déjà dans la section du French Quarter. On voit tous les jardins, l'architecture. Puis plus tard sur notre route, on va voir même le Saratoga Springs. Puis on a le quai d'embarquement juste ici pour le French Quarter. Dépendamment du moment de la journée et de l'achalandage, ça se peut que le bateau s'arrête également au French Quarter pour continuer sa route vers Disney Springs. Et pour les hôtels Old Key West ou Saratoga Springs, on va y aller directement jusqu'à Disney Springs. Éventuellement, sur votre gauche, lors du trajet, vous allez rencontrer les Tree House du Saratoga Springs. Donc, on avait fait la visite de l'hôtel ensemble. Je vous avais montré les treehouses à partir de la route, mais maintenant, vous pouvez les voir d'une autre façon avec ce petit tour de bateau. Ah, puis ça, c'est quelque chose de fun aussi que, à un moment donné, un capitaine de bateau m'a fait remarquer. Entre les hôtels Port Orleans et Saratoga, vous allez retrouver la vie sauvage floridienne, mais on m'a dit que c'est exactement comme ça que ressemblait Walt Disney World avant la création de Walt Disney World. Donc il y en a qui se demandent okay, Walt Disney World s'est rendu gros, s'est rendu hyper développé. Mais ça ressemblait à quoi avant? Mais vous avez un exemple juste ici. Puis, on va arriver enfin à l'un des arrêts du Saratoga Springs, donc pour la section des Tree House. Donc on va avoir le quai là-bas. Encore une fois, notre bateau ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a une ligne directe pour le Saratoga Springs.
Nous, on dirige sur la gauche, mais on a un canal sur la droite. Ça, ça va être le canal, le segment de la rivière qui va se rendre jusqu'au Old Key West. Donc, ça va être par ici. Puis pour les amateurs de golf, bien, sachez que la rivière est entourée du terrain de golf du Cerratoria Springs. Donc, si vous êtes curieux, puis ça se peut aussi, si vous êtes chanceux, que vous allez voir des golfeurs autour, en fait, de votre promenade vers Disney Springs. Sur votre route, vous allez croiser des cabanes à oiseaux comme ça. En fait, ça, là, sachez que c'est un programme de conservation que Disney a parti là, depuis plusieurs années déjà pour les Purple Martin. Donc, c'est une espèce d'oiseau là, qui est en voie d'extinction. Puis que, en tout cas, les populations étaient très basses récemment. Puis Disney a réussi à réintégrer en fait, ces oiseaux-là dans... dans cette portion de la Floride. Alors ça, c'est quand même très bien. Mais vous allez trouver plusieurs cabanes à oiseaux comme ça au travers la propriété de Disney, parfois même dans les parcs thématiques. On arrive bientôt à Disney Springs, mais juste avant, on a le quai principal du Cerratoria Springs Resort, donc juste ici. Donc c'est eux qui ont le trajet le plus court en bateau parce qu'ils partent ici. Puis ils vont se diriger à Disney Springs, qui est vraiment à 2-3 minutes en bateau d'ici. Ça, c'est tout le temps une vue qui est magique. Lorsqu'on arrive enfin dans le lac Buena Vista, on a toute la vue vers Disney Springs qui se révèle. Et on a toutes les différentes architectures. C'est vraiment tout beauté. Puis même la montgolfière, Characters in Flight. Tout le temps beau comme paysage. Puis en soirée, faites aussi un tour de bateau en soirée. Tout ça va s'illuminer, ça va être encore plus grandir aussi. Ça se peut que sur votre parcours, vous allez retrouver des voitures dans l'eau, des amphicars. En fait, il y a le restaurant de Boathouse qui offre aussi là, cette activité-là. Où est-ce qu'on peut faire une visite du lac et de Disney Springs dans ce bateau voiture-là, là, c'est vraiment super trippant. Peu importe de quel hôtel vous venez, vous allez arriver à ce quai du côté de Disney Springs. Donc c'est dans la section Marketplace, juste ici. La section Marketplace est celle la plus à l'est de Disney Springs. Donc on a Westside d'un côté, on a Town Center, The Landing dans le milieu, puis on a le Marketplace à l'est complètement. Bien, ça va être ici que vous allez retrouver votre quai pour retourner vers votre hôtel après votre visite à Disney Springs. Ah oui, un élément que je veux rajouter, que je vois tout le temps de la confusion, c'est parce qu'il y a deux lignes ici, à gauche puis à droite. En fait, si vous allez au Saratoga Springs ou au Old Key West, vous prenez la ligne de gauche. Si vous allez au Riverside ou au French Quarter, c'est la ligne de droite. Puis on a vu la couleur des drapeaux. Ça va représenter en fait les drapeaux qui sont sur les bateaux. Comme tantôt au Riverside, on avait le drapeau jaune. Comme je vous le disais avant de partir aujourd'hui, il y a également des autobus qui sont offerts à Disney Springs pour retourner à votre hôtel. Donc ça va être à proximité de la section Town Center, donc qui est vraiment centrale à Disney Springs. Donc tu sais, si c'est la fin de la journée, vous êtes un peu fatigué, un peu tanné, puis vous êtes du côté du West Side, puis vous voulez revenir à votre hôtel, vous n'avez pas besoin de traverser Disney Springs au grand complet. Vous pouvez vous arrêter à mi-chemin à Town Center, prendre l'autobus, puis ça va vous ramener au lobby de votre hôtel. Il me reste juste deux éléments à vous pointer pour finaliser cette vidéo. Donc, on a le quai ici du côté de Disney Springs. Puis, sur notre droite, bien, vous allez avoir également un sentier qui se rend jusqu'au Saratoga Springs. Donc, si vous êtes des bons marcheurs, ça se fait vraiment très bien en quelques minutes. Là, 5, 10, maximum 15 minutes, dépendamment de votre rythme de marche. Puis, vous allez être du côté de Disney Springs. Puis, l'autre élément que je veux vous préciser, c'est qu'une fois débarqué du bateau, bien, vous allez devoir passer la sécurité. Donc, en continuant sur le quai juste ici, bien, on va rencontrer l'espace de sécurité que vous allez devoir passer pour avoir accès à Disney Springs. Tiens, nous voilà. Ici, on a une sortie seulement, mais en continuant plus loin par là-bas, vous allez avoir l'entrée.
C'est alors déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi dans cette vidéo. Puis si vous voulez en découvrir davantage sur Disney Springs, ben, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'avais faite il y a quelques mois. C'est ça, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver. Si vous êtes à la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World Resort en Floride ou de n'importe quelle autre destination magique, que ce soit Disneyland en Californie, une croisière Disney, un séjour à Universal, eh bien vous pouvez me contacter au maxime@commercialvoyageenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la planification de votre voyage. Je suis conseiller en voyage spécialisé dans ces destinations-là. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec le choix de l'hôtel, la réservation des restaurants, la découverte des parcs thématiques et plus encore. Alors simplement me laisser un petit courriel au maxime@commercialvoyageenchanté.com, puis on va pouvoir commencer à planifier votre voyage de rêve. Salut tout le monde, on se retrouve vraiment très bientôt dans une prochaine vidéo. Juste ici, vous retrouvez une carte complète de la rivière Sasagoula jusqu'à Disney Springs. Donc on a les Port Orleans, Riverside, French Quarter ici. On a le Old Key West avec le canal que je vous parlais. Puis le Saratoga Springs et puis enfin c'est le Lake Buena Vista. Puis le quai est au Marketplace de ce côté-là de Disney Springs.